Coucou. Salut tout le monde, salut Sophie, salut ceux qui sont là. Sophie toujours présente, première, je vais pas dire fan non plus, je vais pas me lancer des fleurs comme ça, mais ça fait plaisir toujours de te voir. Alors aujourd'hui on va attaquer direct parce que j'ai pas fait d'intro, là je viens de balader mon chien, j'avais pas trop écrit de trucs. Mais on va attaquer direct sur c'est quoi CGS? C'est dans quelle partie de l'univers on va encore aller? Et ben on va débarquer sur ColorGo Server. ColorGo Server qui est un nouveau serveur de jeu de Go qui a débarqué le 23 janvier de souvenir. On ira voir dans à propos. Je veux pas être faire des erreurs dès le début. On ne m'entend pas très bien, ça c'est étrange. Je n'ai pas changé de micro depuis le début. Et ben touk 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 touk. C'est toujours le Yeti. Paf. Micro. J'ai mis le volume à fond et ses limites. Bah, on va encore augmenter. Hein. Qu'est-ce qui me fait ce micro? Tac. Voilà. Ça devrait aller là, je pense. Et bah merci, merci pour le retour en tout cas, Sophie. Donc on va attaquer sur ColorGo Server, comme je le disais. Qui est un nouveau serveur de Go qui a pas mal teasé pendant l'année 2020, en mode on va arriver. Et la première chose qu'on va regarder, pouf, ça va être cette page d'accueil. Donc normalement vous avez... Ah, il a disparu, Saligo. Le capture du lien, pourquoi? Tac, on va aller le prendre. Vous avez... Firefox, voilà, c'est mieux. Vous avez le lien qui apparaît maintenant. Tac. Ok, on est bon. Du coup. Donc, voilà, première page qu'on a lorsqu'on arrive sur colorgoserver.com. C'est assez simple à souvenir comme adresse. Une page avec l'adresse pour jouer. Des ressources, à propos, et la langue. Donc ça a été quand même pas traduit en pas mal de langues, hein. Africain, danois, germain, DPD, oui, ça. Allemand, anglais, espagnol, français, italien, norsk, finlandais, j'ai pas envie de dire de bêtises, portugais, turc, et ensuite russe et compagnie, quoi. Donc pas mal de points accessibles, quoi. Enfin c'est pas mal accessible, c'est cool. Une petite vidéo de présentation et jouer qui est le même lien hein, que jouer qu'on a en haut. On va regarder cette petite vidéo et puis je vais en profiter moi pour mettre de la musique de fond parce que c'est toujours bien. Voilà, pendant ce temps-là, hop, je lance la petite vidéo. C'est assez intense, hein. On voit qu'ils ont quand même bien fait attention à tout ce qui était graphique. Puis même au niveau de la musique, il y a quand même du travail. Entre des joueurs du monde entier. Pour tout niveau de jeu. On voit qu'il y a du 9-9. Débutant. Intermédiaire, ah, ces flammes, ces plantes avancées sur 19-19. Voilà, c'est ça. Disponible le 23 janvier 2021 sur www.colorgoserver.com. Anastasia Linka, ça doit être la musique. Hop, là on voit tout ce que je regarde d'habitude.
Pourquoi CGS? Ah ouais, ils ont fait tout un truc. On va quand même lire un petit peu. Je vais mettre quand même la musique du coup dans le fond. Et hop, vu qu'elle est un petit peu forte, je vais baisser ça. Ouf. Ok, pourquoi c'est CGS? Donc on va prendre la version française, hein. Je pense qu'on est tous un petit peu plus à l'aise comme ça. C'est un serveur de jeu en ligne, bon, comme classique. On peut le faire directement dans le navigateur, donc comme OGS qu'on avait regardé la dernière fois. Pour but de faciliter la découverte et l'apprentissage du jeu de Go, en remettant au goût du jour son design. C'est vrai que niveau design, ils sont chauffés. Donc plusieurs visuels qu'on peut avoir, donc la glace par exemple, les plantes, le feu. Il y a quelque chose qu'on peut voir apparaître qui est l'Atari. Donc lorsque la pierre n'a plus qu'une liberté, hop, elle devient plus petite. On réduit sa taille. Donc c'est pareil pour le groupe qui est à gauche là. Et donc les libertés. On peut afficher le nombre de libertés. Ah, je ne savais pas. Oui, je découvre en même temps, c'est dur le français. Ah, ouais, je vois. Tu l'écris même pas en entier. Pauvre langue, pauvre langue. Des libertés et des thèmes, donc voilà, donc les différents thèmes dont on parlait. Salut Bad. En savoir plus, tatata, bon bah il y a tout un tas de gens qui disent très bien. Et ils ont même un petit serveur Discord si vous voulez les rejoindre. Voilà. Facebook, Twitter. Bon, ils ont bien géré niveau communication, je trouve qu'ils sont. Ils sont bien apparus ces derniers temps. Et ça fait donc 2 semaines, 3 semaines que le serveur est lancé. Oh, ça va, je suis toujours un petit peu seul, mais c'est pas grave. C'est l'idée des tutos, c'est pour. De toute façon, ça se reposte. Et là, on se fait cette petite découverte de CGS. Ça va au niveau du son, la musique est pas trop forte derrière. Voilà, donc on clique sur jouer. Alors, poum poum. Ah bah oui, je vais enlever ma musique à moi. Parce que le serveur ColorGo Server a sa propre petite musique. Voilà, qu'on va entendre. On va en parler un petit peu après. Nope, c'est good. Fort bien, fort bien. Donc voilà, page d'accueil. On débarque, on voit, c'est assez simple. Notre image de profil en haut à gauche. Le fait de jouer donc juste au milieu là, donc qui voilà qui grandit quand on passe. Des amis. J'ai pas beaucoup d'amis, je crois. Je viens de débarquer. Des messages. Et il y a des notifications aussi. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont un compte sur CGS, mais on pourrait voir ce que ça donne par exemple en s'ajoutant en ami. On voit bien le bouton, ouais. C'est ici. Ça ressemble un petit peu au bouton, tu vois. T'es là, tu peux que regarder ça. C'est le bouton jouer, c'est ça. Donc des parties en cours. Il n'y en a pas énormément, il y en a quelques-unes quand même. Donc c'est des parties qui sont en cours avec voilà, le petit icône correspondance. Ça va de 9-9, 19-19, il y a un peu de tout. Et des parties en direct, très bien, qu'on pourra regarder tout à l'heure. Pour l'instant, on reste regarder, donc on va cliquer sur Ami. Voilà, j'ai l'ami Flogo par exemple. Je clique sur son pseudo, j'ai juste besoin d'un clic gauche, hein, et ça m'amène là-dessus. Je peux le défier, je peux lui envoyer un message, je peux voir comme ce joueur, c'est-à-dire que je peux avoir tout le design qui est exactement comme le sien. Tac, je peux aller sur Flogoland, sa chaîne Twitch. Alors ça, je ne sais pas encore comment ça fonctionne, si je dois envoyer un message. Aux administrateurs, je pense que je dois faire ça si je veux avoir ce petit icône. Flogo, ça fait un certain temps qu'il. Enfin, en fait, depuis le 23 janvier, il a déjà fait
un certain nombre de streams sur CGS. Voilà, on peut mettre un petit slogan, on peut mettre un petit lien, tout ça, un petit peu comme les infos sur KGS, mais sur OGS, c'est un peu la même chose aussi. Et il y a un système de badge, donc un badge pour le Twitcher. J'ai pris Flogo en plus, c'est cool parce qu'il a plein de badges, vu qu'il fait plein de parties. Donc, c'est très bien. Donc on peut avoir des badges pour le temps d'observer, voilà. On peut supporter CGS, je vous montrerai après. On apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Défaite classée consécutive 5. Qui trouve un ami trouve un trésor. Il a beaucoup d'amis, c'est beau. Je l'ai pas encore celui-là, moi j'ai que un ami. Sniff. La victoire est le fruit de votre travail. Message envoyé 500. Waouh. Plume est plus forte que l'épée. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Partie classée jouée 50. Très bien. La forme est un peu bizarre. Hein. On voit qu'il y a un pipe qui n'a pas été répondu. Bref. Et on peut signaler ce joueur. On va pas le faire parce qu'il est quand même sympa, il me semble. Ah, et il y avait deux choses. Supprimer un ami. Oh non. Bloquer. Bah non. Et partager. Ah, partager. On va regarder ce que ça fait. Le lien a été copié dans le presse-papier. Donc j'imagine que c'est le lien du player. Ouais, c'est ça. Voilà, ensuite il y a historique de partie. Look. Ouais, c'est bien de le faire avec lui, il a vraiment plein de trucs. Voilà, on peut juste cliquer pour se rendre sur la partie en question. Le classement, comment il évolue? 89. Ah, c'est le top 89. Très bien. Voir les meilleurs joueurs. Donc là, on voit les meilleurs joueurs. Stylé. Il y a plein de boutons dans les boutons dans les boutons, joueurs. Et on voit qu'il y a combien de joueurs actuellement? 1625 joueurs inscrits. Bon, c'est encore un serveur en lancement. Hein. C'est un bébé. C'est un joli bébé, en tout cas. Divers, voilà l'idée 532 enregistré, bon, soit. Et voilà, un taux de victoire à 45%, ce qui est très bien, quand même. Ok, donc ça c'était l'ami Flogo, je peux en rajouter, et je peux aller voir mes modes notifications. Ah, merveilleux, il y a quelqu'un qui vient de me demander en ami, Sofonx. Merci beaucoup pour ta participation très active à mes streams. Je peux donc voir ces notifications et accepter la demande d'ami, c'est très simple, hein, juste j'imagine, en appuyant sur la petite flèche, sur le petit check. Et voilà, et maintenant j'ai une nouvelle amie. Sofonx qui est connecté, qui a le petit truc vert qui est noté DQ. On va regarder vite fait Sofonx, tac-tac. Victoire, le fruit, tac-tac-tac. Et voilà, donc un peu sur le même idée. Elle a déjà fait combien de parties? Ah là là. C'est pas possible, c'est incroyable. Ah non, seulement 19 parties classées. Autant pour moi. Je pensais que c'était déjà à une centaine. Ça aurait pu, ça aurait pu. Tac. Alors, maintenant, sur le chat, pas beaucoup de joueurs. Ah ouais. Là, le 14 février, quelqu'un a demandé à 16h50, c'était il y a une heure. Hello, hey, want to play. Voilà, il y a un seul chat, c'est le chat global. Et on peut dire, enfin, on peut dire coucou. Voilà, il n'y a pas de salle particulière, c'est vraiment un seul chat global. Et des joueurs en ligne. Ah bah il y a Badcat, a priori, qui vient de s'inscrire, j'imagine. Voilà, bah on va le demander en ami, hein, tant qu'à faire. Pouf! Voilà, demande ami envoyé. Ouais, c'est rigolo, hein, ça fait son petit truc. Là, c'est très smooth. Franchement, la partie graphique est quand même vraiment très agréable. Ah, il vient d'arriver le petit Badcat. Et déjà, on le demande à l'ami. Voilà, on revient au chat. On peut virer le chat. Dans ce cas-là, on n'a qu'une seule fenêtre. On regarde nos notifs. Bah. Vous êtes déjà ami? Ok, je ferme. Tac. Et j'ai un petit message de Badcat qui me fait un coucou. Ça marche, ça? On dirait. Nickel. Bah, c'est beau. C'est tout beau. Et si je remets le chat? Pouf! Ah, ça se chevauche un petit peu. Bon, c'est pas si grave. Et je peux pas le. Ouais, je peux cliquer partout. Waouh, incroyable.
Fort bien. Bon, on a cliqué partout, on est content. On va quand même regarder notre profil parce qu'on a regardé celui des autres. Qui veut voyager loin, ménage ses blessures. Ça, c'est du MPL pour ceux qui connaissent un petit peu. Active member, alors ça c'est encore approuvé, de Club de Grenoble, Twitch Channel. Voilà, donc j'ai mis le Twitch, mais je l'ai pas vu apparaître, donc probablement qu'il faut, comme je le disais, le demander aux admins. Historique des parties, je n'en ai qu'une que j'ai perdu autant. Et donc classement, tac, et ID, voilà, donc pas grand chose en plus. Ok, alors il reste un petit truc, enfin même plusieurs petits trucs sur cette page d'accueil. Il y a le fond d'écran, enfin le fond de la page, qui est va différer selon le thème qu'on va mettre. Alors, pour choisir les thèmes, on a la petite roue qui est là, les paramètres. En dessous, on a recherché, j'imagine pour rechercher les joueurs. Donc, par exemple, est-ce que Camille est liée ? Camille Réfure ? Ouais. Voilà, ça nous renvoie sur les trucs. Bêta. Ah, c'est une bêta testeuse. Stylé. Bon, je le savais un petit peu. Le classement, donc on va retourner sur les trucs. Les ressources d'apprentissage de Go. Alors ça retourne sur le template un peu de base de CGS, celui qu'on a à l'entrée. Créer un nouveau fichier SGF et charger un fichier SGF. On va aller dans nos paramètres. Et on va découvrir un petit peu tout ce qu'il y a. Alors, il y en a pas mal. Je vais augmenter un petit peu l'audio quand même. Parce que l'audio est sympa, il met bien dans l'ambiance. Et puis on va devoir l'entendre de toute façon pour ce qu'il suit. Donc général, choisir la langue. Donc ça on a déjà vu. Hein, pour se déconnecter ou changer de compte, très bien. Changer de mot de passe, changer d'email. À propos de l'application, on regardera à la fin. Donner un avis ou un conseil, pourquoi pas. Rapport de bug. Pour l'instant, je n'ai pas eu. Mais c'est bien qu'il y ait un bouton rapport de bug. Et qu'il soit traité. Vu que, bon, là, ça fait 3 semaines que ça a été... ça vient d'arriver sur le marché, quoi, des serveurs de Go. Et déjà un épisode de Univers Serveur, incroyable. Et bah, c'est bien qu'il y ait un rapport de bug et que ce soit traité, quand même. J'imagine qu'il le ferait. Taille de la police. Et ben. Touk touk. Oui, c'est. Taille de la police. Ouais. Ok. On va laisser en minimum. Durée des animations des pop-up. On verra ça tout à l'heure. Activer la saisie des caractères complexes. Je crois que ça, c'est les. Touk touk touk. Sûrement quand on met des smileys ou des trucs comme ça. Notification. Par courriel quand une partie commence, non, pas par courriel quand même. Divers, quelqu'un me défie. Ouais, pourquoi pas. Soit, par courriel, on verra. Hop, audio. Donc le volume principal et le volume de la musique. Je sais régler comme ça, je vais les laisser comme ça. Bon, je pense que c'est ok pour tout le monde. Et type de musique, donc c'est ce que je disais. Par exemple, là je crois qu'on a du zen, un truc comme ça, je peux mettre de l'électro. Voilà. Et ça nous change la musique, de fond. Qui est franchement assez agréable. C'est pas extraordinaire, mais elle se laisse oublier, ou plutôt elle se laisse pénétrer notre environnement, donc c'est... C'est bien fichu. Je peux mettre pas de musique, évidemment. Féerique, voyons voir ce que ça donne. Ah, les petites transitions en plus, attention. Ils font ça... Ils ont le sens du détail, ACG. S'ils ont le sens du détail, on peut dire. Tac. Musique uniquement dans la salle de jeu, donc ça c'est j'imagine la salle de base. Son de la pierre, son de l'influence, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Ouais, parce que l'influence elle est marquée en fait par des zones, selon le thème qu'on utilise, qu'on verra après.
Takata, son quand un joueur passe, son pour le compte à rebours de l'horloge, tatata, des notifications, des messages, bon, j'ai mis le son pour tout, bon. Pas de problème. Le jeu, tac tac tac, envoyer le bouton, utiliser le bouton envoyer le coup. Donc pour les parties en temps réel, c'est pas le plus pratique, surtout pour les blitz. Mais pour les parties par correspondance, c'est exactement comme sur OGS. Afficher le résultat potentiel en partie. Ouais, ok, ça dépend du truc. SGF, ils l'ont remis là, alors je trouve ça un petit peu bizarre, le fait de faire une nouvelle partie ou de charger une partie, qui sont déjà de base sur la fenêtre d'accueil, à droite avec le plus et le petit upload. Et visuel, donc intensité de l'influence. Ça je pense qu'on va ouvrir une partie pour voir un petit peu l'influence, mais voilà, par exemple, on peut quand même regarder sur le thème ce que ça change sur la page d'accueil. Donc si je mets glace vs feu, pouf, on passe sur un joli petit paysage de Noël. Enfin, tout enneigé, on dirait dehors. Plante vs glace. Ah bah tiens, ils se sont pas fait chier, finalement. Là, cette fois-ci, c'est la même. Yin et Yang. Un petit truc très sobre. On remarquera que la musique change lorsque je passe sur le thème. Couleur, je crois que c'est électro. Pierre à... Ah, ça c'est cool. Ah, on peut changer un petit peu. Oh, ça j'aime bien. Et si je change là... Non, le fond reste le même quand même. Ils ont pas fait un truc si chialé. Et traditionnel. Traditionnel, c'est noir et blanc, quoi. Sans l'influence. Ah, et en plus, dans chaque petit thème, il y a diverses choses qui varient. Tac, tac, tac. L'herbe jaunâtre, pourquoi pas. Ok. Donc, afficher les coordonnées, mettre en évidence la tarie. Donc ça, c'est la pierre qui diminue, comme on en parlait au tout début. L'animation d'introduction des matchs, on va la voir arriver quand notre rang augmente. Oui, on va prendre toutes les animations, hein, tant qu'à faire. Ah, et ça, c'est le petit souci, je trouve, le truc qui est un petit peu triste, parce que CGS, pour moi, c'est quelque chose qui est très inspiré des jeux portables, avec des badges, avec des animations, tac-tac. Et le problème, c'est que c'est pas disponible sur portable. La machine ne fait pas tourner ça sur les portables et sur les smartphones, et donc c'est un petit peu dommage, et je pense que c'est un truc à voir pour eux, en tout cas. Je pense que c'est le... J'espère que c'est le prochain développement, parce que... Ben, c'est un gros plus, quoi. Enfin, tout ce qui est graphique comme ça, je trouve que ça correspond vraiment bien à cet univers. Bon. À voir ce qu'ils comptent développer. Je sais pas si vous avez des infos là-dessus. Mais c'est vraiment l'option de faire un... Ah ouais. Bah voilà. Oui, mais je sais pas si vous en avez un avis ou un conseil. Tout à fait, ici. Je le ferai. Merci Batcat, t'es attentif, je vois, t'es attentif. Ok. Bah on a fait un petit peu tout le truc, et puis on va regarder un petit peu l'influence du visuel. Et du coup, pour ça, on va aller voir... Oh, bah tiens, il y a une partie de Silver. Incroyable. Ah, il a fait un coup, super. Bon, ça... Ouais, il y aura une interro, tout à fait. On jouera ensemble, tu verras. Voilà, la petite animation. Hop. Incroyable. Ouais, non, c'est rigolo. Enfin, c'est vraiment rigolo à voir... Comme petit truc, j'ai l'impression de jouer à un autre jeu, en fait. Bon, du coup, c'est pas la meilleure partie pour voir, parce que il n'y a pas vraiment les influences, tout ça. Donc on va prendre une partie qui est un peu plus avancée, donc la partie qui est en cours. Hop, nouvelle petite animation, des plantes contre le feu, clac. Ok. Ah, bah le côté feu et le côté plante, c'est beau. Hop, on regarde... Ah, il y a un petit icône que je ne connaissais pas. D'accord, on peut réduire ça. Très bien. Donc là, on a tous les petits sons. On va peut-être les couper, justement, pour son de la pierre. Voilà. Paf. Ah, et son de l'influence, ça doit être le truc qui évolue. On va voir.
Jouer à Dofus sur Goban, ouais. Alors du coup j'ai pas la ref parce que j'ai pas joué à Dofus. J'ai pas joué à beaucoup de choses. In fact. Donc maintenant on est sur une partie, très bien. On a plusieurs choses, on a les joueurs, on peut cliquer dessus, on voit qu'ils s'agrandissent à chaque fois qu'on... Je vais enlever aussi le son d'influence, hein, je pense que c'est ça, tac. Ouais, très bien. Donc, voilà, les joueurs, le temps, les captures, le niveau, c'est bon, on a tout. On a même des petits crânes, des petites plantes, c'est beau. Et ça doit être défini à partir de, probablement, mon template à moi. On peut aussi s'amuser et voir comme l'autre joueur, donc on va aller faire ça. Pouf! Ok, Oberon, il a choisi la version simple. Hop, la petite musique qui change. Attention à ton temps, Tolbio. Perds pas ta période! Ah là là! On peut aussi voir comme Tolbio. Tac! Ouais. Solide. Alors, moi, je sais pas vous, mais juste... j'arrive plus à voir la partie comme... comme elle est, quoi. C'est... Je trouve ça extrêmement difficile de... Bah, juste de comprendre la partie à ce moment-là. C'est... C'est casse-neurone, je trouve. Ah, il y a des pierres qui vont disparaître bientôt. Oui, elles sont toutes petites. Ah. Ah là là. Et oui, c'était la capture. Et on voit qu'il y a de l'herbe qui a poussé de partout. Gagne par abandon. Bravo, Tolbio. Ouais, c'est pas si simple, hein, ouais. Moi, je pense que je m'y perds très rapidement. C'est plus facile, je trouve, de jouer à une unicolore que de jouer à ça. Genre, là, je vois, là, je comprends. Là, je vois pas. Si, je vois une bonne partie, mais je trouve ça freine le... On est occupé par autre chose, quoi. Je préfère ça à l'unicolore. C'est un choix. On peut faire un vote. Plutôt ça ou plutôt unicolore. Ah bah, Tobio. What? On est dans une... Ok. Ah bah, il fait une review. Contrôleur de la review. Ok. Ah bah c'est dommage, je voulais vous montrer. Bon, je vais retourner dans la salle de jeu. Tac. Ce sera plus simple là. Salut Kiki. Je préfère ça à l'unicolore. On m'a invoqué. Ah oui, j'avoue, à chaque fois qu'on parle d'unicolore, j'avais oublié. Alors, il n'y a pas des parties qui sont un peu plus avancées, hein, disque ou 44. Allez, 44, c'est bien ça. Non, elle avait même pas lu Unicolor, elle a senti l'Unicolor qui l'appelait sur internet mondial et paf, ça fait des chocs à pic. Hop, voir comme lui. Oh bah c'est joli, ça change un peu. Ok, donc, celle-là on est sûr qu'il n'y a pas trop à monter. Rayard face à FCO Rod. Voilà, donc résultat potentiel, 17.5. Potentiel, j'imagine, pour bleu. Ils sont partis avec des pierres de handicap? Non. D'accord. Ouais, alors ça, c'est ça qui me chagrine un petit peu avec ce truc-là, c'est que, bah, déjà, les influences, c'est un peu... fatigant. C'est un petit peu fatigant pour comprendre ce qui se passe, et c'est censé s'adresser aux débutants, mais... Mais en fait, ça fait pas tout de juste regarder les zones d'influence. Par exemple, là, on voit que vert, il est très très fort, et pourtant, c'est blanc qui a des points... Enfin, c'est bleu. Ah, je vais mettre du truc normal. Voilà. Je te jure. Camille invoquée par le Nicolas, ça n'arrête jamais.
Voilà, là, ici on voit que Blanc il a un groupe faible, il est cantonné dans un coin, il a un tout petit coin ici aussi. Et je sais pas, hein, peut-être qu'il est mieux dans la game, mais dire qu'il est en avance de 17.5, enfin que le résultat potentiel est 17.5, je trouve que ça biaise un petit peu. Donc ça c'était le petit résultat potentiel. Sinon il y a aussi tac 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 le petit outil de review. Hop, plutôt comme ça. Qui est très agréable hein, cela dit. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de question. Et on peut du coup analyser, mettre des petites croix. Un outil de score, cela peut prendre. Non, on va pas le faire parce que le score, on regarde pas, ça ne sert à rien. Ne faites pas ça chez vous. Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit pour OGS. C'est pas bien. Ça donne des mauvaises idées. Et voilà, donc juste des petits coups, des marques. Voilà. Donc c'est basique. Tac tac tac, effacer la révision. Ok. C'est la review basique. Mais écoutez, ça marche pas mal. Par des professionnels, sûrement pas. On a les infos de la partie. C'est toujours bien. Qu'on peut partager, pourquoi pas. Ou télécharger le SGF. 3 jours plus 1 jour. Bon, bah ça, c'est tout défini quand on va jouer. Il y a toujours nos paramètres. Annuler. On revient sur nos paramètres visuels, c'est ça. Visuel, intensité de l'influence. Ah, ça c'est bien. Ok, on va mettre un tout petit peu. Opacité de l'influence. Alors, on peut mettre de l'intensité, mais opaque. Waouh. Et intensité de la grille. Oh là là. Ah ouais, on peut virer complètement la grille. Ok, ça c'est pas très pratique les gars. Pourquoi pas. Ok, en 3D ou pas. Joue sans grille, ouais c'est ça. Ouais. Premier coup, si je veux le mettre au Tengen, je peux même pas le viser quoi. Jamais de la vie. Glace vs feu. C'est quand même très smooth. On visite un petit peu les différents trucs. Tiens, hop, plante vs glace, herbe jaunâtre. C'est quoi herbe jaunâtre? Vous voyez la différence, vous? Bon, moi, je vois pas de différence. Couleur. Tac. Non, ça vous plaît pas? Un petit vert gris rose. Tac. Qu'est-ce qui se passe là? Avec un plateau. Oh là 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 là. Avec un plateau blanc. Et une grille. Attention, vous ne vous y attendez pas. Jaune. Ouais. Ouais, on va vite. On va changer de visuel là. Pour un petit yin-yang. Voilà. Ah, la transition est assez radicale pour le yin-yang, hein, pour la musique. Voilà, on va passer là-dessus, c'est pas mal. Afficher les coordonnées, oui, toujours. C'est important les coordonnées. Mettre en évidence l'Atari si vous voulez. Donc ça, c'est tout ce qu'on a déjà vu. Type de symbole pour le rang. Alors, ça, j'imagine qu'on peut mettre, voilà, idéogramme. Donc, ça va mettre un petit truc en chinois. Et du coup, on sait jamais si c'est du Dan ou du Q. Voilà, par exemple, idéogramme, lui il est 5 dan et lui 5 Q. Si tu débarques sur la partie comme ça, tu fais je sais pas. Enfin évidemment si tu parles pas. Si tu parles pas chinois. Type de marque pour les coups interdits. Bon, on peut aussi changer ça. Et on peut exporter en JSON ou je sais pas quoi. Bon bref. Ouais c'est ça, c'est un JavaScript. Ou l'importer. Vous pouvez réaliser vos propres thèmes.
Mais moi, je sais pas faire. Ouais. on peut appeler un modérateur et on voit le nombre de personnes qui sont dans la partie ici. Voilà, on a fait le tour des parties. Et... bah, je crois que c'est à peu près... quitter sans sauvegarder. Ah oui, parce que j'ai fait une review, c'est vrai. Enfin, entre guillemets, quoi. Ah, donc ça, c'était les paramètres et la partie. On a vu ça. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Hein, parce qu'on peut aussi créer un nouveau fichier SGF. Donc, simplement en disant... nom de la partie test... test univers serveur. Tac. Et taille du plateau, 9-9. Voilà. Commis, on s'en fout. Handicap, on s'en fout. Et on peut nommer les gens... coucou lol. Et... Oulipo. En leur mettant un niveau, respectivement, 5 dan. Et 4F. Ouais, pourquoi pas 4F? Non, on va mettre 4Q. Viens. Hop, jouer. On va voir ce que ça donne. Tac, coucou lol, 5 Zan, contrôle hippo, 4Q. Ah là là. Qu'est-ce qu'on va faire? En plus, c'est. A priori, Oulipo qui est noir. Et coucou lol qui est blanc. C'est ça, j'imagine. Dites-moi, son. Coucou lol qui est blanc. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, on voit quand ça mange l'influence. Évidemment, cette pierre est morte. Pas du tout. Ah oui, c'est radical. Ça, c'est un bon coup. Ça, c'est un bon coup aussi. Ok. Je sais pas du tout comment réfléchir avec les influences, clairement. C'est trop étrange pour moi. Ça ne me convient pas. Mais why not? Ça peut être rigolo. Explorer. Non, il n'y a pas, grand chose à dire de plus, hein, vu que c'est exactement la même fenêtre que pour l'analyse. On peut virer des branches avec une seule pierre ou pouf, les deux pierres directes. Et il n'y a pas grand chose en plus. Et on peut pas cliquer sur les gens. Sniff. On retourne à la salle de jeu et on quitte sans sauvegarder. Parce qu'on est les voyous. Tac tac tac. Bon bah charger une partie, ça revient un petit peu à ça, hein. C'est juste que la partie elle est déjà jouée. Donc on va chercher dans les parties qu'on connaît déjà. Je peux vous en sortir une, mais ça va pas faire voilà, quiétude avec Artem. Clac. Mais c'est vrai que c'est un outil assez joli. Voilà, c'était la partie d'Artium contre un américain, je crois. Punk, 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 punk. Bref. Rien de neuf sous le soleil. Ok. Et bien maintenant, on va pouvoir regarder le soutenir CGS et les ressources d'apprentissage. On va commencer par les ressources d'apprentissage. Hop. Donc voilà, on retourne sur le template de base de CGS. C'est un petit peu comme les ressources OGS. Il y a un bazar de plein de petits trucs de partout. Donc on va le faire dans l'ordre. Apprendre à jouer au Go. Ce qui est cool, c'est qu'il y a Fulgur Go. Il y a pas mal de petits trucs en français. J'imagine que dans l'équipe de base, il y avait des français, notamment. Go, tac, tac, tac. Où jouer. Un certain nombre de serveurs aussi. Qu'on rencontrera, vous inquiétez pas. Alors, voilà, j'ai rencontré le Legend Go serveur là-dessus, mais j'ai pas réussi à me connecter parce que c'est toujours la galère avec les serveurs chinois. Tutoriel avancé, commentaires en direct et analyse de partie. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire tuto avancé.
Watch, une liste, des aides. En apprendre plus, donc sur les Fuseki, les Joseki, les recherches de position, ça c'est rigolo. Tiger's Mask, je connais pas encore, mais bon, je regarderai ça plus tard. Tsumego, faire analyser vos parties. C'est marrant, il redirige pas mal sur OGS. Livre. C'est marrant qu'ils n'en mettent que 6, il y en a quand même un sacré choix. Les chaînes vidéo, en français, en américain, en espagnol, en russe, en Venezuela. C'est quoi? Venexia. C'est marrant, je vois du Mexique. Voilà, tout ce qu'il faut, internet, les sites internet, il y en a. Ouais, c'est un peu bizarre qu'il n'y en ait que 8, mais soit. Des médias, pourquoi pas, autre. C'est un peu le bazar, hein. C'est vraiment comme les ressources OGS, c'est. Allez, j'ai des liens dans ma boîte de trucs là, je vais tous les mettre. C'est comme si je prenais ça. Ah, vous voyez pas ma liste. Mais bon, j'ai tout un truc. Forum Gohan existe encore. Et il existe. De là à dire qu'il est actif. Non, il est plus très actif, non. Ouais, j'y étais aussi, à l'époque. Ok. Et puis, à propos. Donc, on a. Ouais, c'est ça, hein, c'est le dernier truc. ColorGo Server existe grâce aux dons, aux nombreux conseils donnés par la communauté de Go et les volontaires qui ont aidé à traduire CGS dans différentes langues. Alors, justement, les volontaires, quand j'ai regardé, bah, il n'y avait pas de traduction française, donc j'imagine que le français, en fait, est une des langues de base du serveur. Donc voilà, finalement un petit serveur assez compact. Probablement qu'ils vont aller vers des nouvelles prétentions. J'espère notamment sur l'histoire du smartphone dont je parlais. Si vous voulez les soutenir, du coup, vous pouvez par ce biais-là, don anonyme, par PayPal, tout ça. Je sais pas vraiment à quoi ça. Enfin, ce que ça vous donne, mais déjà supporter le Go, c'est toujours sympa. Il y a au moins un Français dans les instigateurs du serveur. Ouais, ça ne m'étonne pas du tout. Tu le connais? Racine. D'accord, c'est donc Racine. Je ne connais pas, mais merci pour ta contribution. Ok, Racine. Il faisait de la pub à un moment. Et il a bien fait, hein, parce que... C'est... Bah, ça a l'air solide comme projet. Voilà, je vais leur faire le petit message pour les smartphones, évidemment. Mais je pense qu'ils y ont pensé, hein. Enfin, je pense qu'ils ont quand même eu cette vision-là. En tout cas, je l'espère, parce que c'est vrai que ça se dédie vraiment beaucoup à ce support. Voilà, que dire de plus? Est-ce que certains d'entre vous veulent faire une partie pour voir un petit peu? Ou est-ce que je m'arrête là pour cette petite présentation de CGS? C'est marrant, j'ai l'impression d'oublier un petit truc quand même. J'ai vraiment l'impression d'oublier un petit truc. On va aller sur ma partie précédente. Voilà, c'est ça que j'ai oublié. Grand malin que je ne suis pas. Ici, on peut, sur nos parties, demander une revue de la partie. Souhaitez-vous qu'une personne commande cette partie? Dans quelle langue souhaitez-vous que la revue, il manque un petit E ici, soit faite? Vous aurez plus de personnes pour vous aider si vous choisissez l'anglais. Bah non, moi je veux le français. Je veux une revue en français. Oui. Quelqu'un pour commenter cette partie. Automatch. Est-ce que ça veut dire que je suis dans l'automatch? Non. Ah, ok. Et là, automatch nous ramène directement dans notre partie. Ah,
c'est rigolo. Ok. Ça publie dans le chat, ouais. C'est... Pourquoi pas ? Ça fait un peu système D. Mais j'aime bien. C'est simple. J'aime bien les trucs qui sont simples. Là, c'est rigolo. Ok. Et ben voilà, vous pouvez vous demander une revue de la partie comme ça. Donc j'imagine que c'est simplement donc le lien d'Automatch, le lien de la partie qu'on voit ici, qui s'affiche dans la salle de jeu et qui est directement... Ah non, c'est même un truc interne, ok. Pas soit. Bon, du coup, j'ai publié dans le chat global, c'est mignon. Voulez-vous commenter ma partie, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Fait longtemps. Bah ouais, j'aimerais bien me faire commenter un peu mes parties. Il faudrait que je joue déjà, en fait, de base. Bon, ça va revenir avec... avec les petits défis. Et ben... Je vais bientôt terminer ce petit stream, je pense, parce que je crois qu'on a fait le tour de CGS. Donc ouais, beaucoup plus rapide hein, que OGS vu que bah, y a beaucoup moins de menus de partout. Beaucoup plus concentré. Un point hyper positif sur le design. Sur le souci qui a, du détail quand même qui a été apporté. Sur la musique aussi je trouve. Petit point négatif que ce soit pas dispo sur le portable. Mais déjà c'est dispo sur tous les serveurs. Enfin sur tous les... sur toutes les plateformes internet, donc c'est quand même un gros point positif. À côté de ça, bah c'est quand même simple d'utilisation, j'ai l'impression. Je sais pas à quel point ça a des désirs de se développer et de continuer son expansion, mais c'est un serveur qui est plus agréable que FlyerDie par exemple. Enfin, dans la conception, FlyerDie c'est des pop-up, des machins, plus des pubs. Là j'avoue que le fait de pas avoir de pub est assez agréable. Probablement qu'il faut les soutenir pour ça. Pour que ça continue, je veux dire. Ouais, j'espère qu'ils iront plus loin. Je pense qu'il y a... C'est le genre de serveur genre en soirée, petite partie tranquille, justement, avec ce genre de petite musique. Chill. La correspondance, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi je sais que les parties par correspondance c'est plus avec les copains et pour l'instant c'est encore un petit peu plus sur OGS. Mais nouvel outil quoi, faites-vous plaisir, découvrez. Et puis bah ouais, simple d'utilisation. À découvrir pour tout le monde, je pense, hein. Pour la review, il y a des outils, mais petit point positif pour OGS toujours, hein, de mon point de vue à nouveau. Et tout ce qui est badge, moi je suis sec en badge quoi, tristesse. Mais les petits badges, c'est sympathique, enfin vraiment tous ces petits soucis de détail qui... Bah, qui font que c'est un nouveau serveur agréable, pour l'instant sans trop de bugs, j'ai l'impression, de mon utilisation faible, en tout cas. Mais c'était un petit plaisir de découvrir ce nouveau serveur, en tout cas. C'est cool que des choses se fassent comme ça. J'espère que voilà, vous pourrez découvrir ce serveur un peu plus loin, jouer quelques parties... si ça vous tente, avec des amis, avec des inconnus aussi. Et faire des reviews, parce que moi j'en attends une apparemment. voilà. Je vais terminer tranquillement ce stream. On va aller voir... Ah oui, j'ai fait un petit... j'ai fait un petit questionnaire pour la quête du prochain stream. Et a priori... Le wheeler, c'est Rengo. Donc ce sera un Rengo. Ok, on va essayer de faire ça. Sinon, un Juban Tsumego. Ah ouais, il y avait ça aussi. À voir.
Le Rengo, je suis à peu près sûr d'en faire un le 23 février. Donc voilà, le Rengo, il est validé. À voir si je peux en faire un ce mardi-là. Parce que ça coûte 4 personnes. Enfin, ça coûte. Ça prend 4 personnes pour faire un Rengo. Et c'est bien qu'il soit quand même organisé à l'avance. N'hésitez pas à me proposer des parties pour que ce soit Extermination en Blitz, en Rengo ou en Unicolor. Et parce que bah, j'en cherche justement pour compléter ces quêtes. J'ai besoin de vous. On va faire un petit tour du côté de Twitch pour voir qui est en train de streamer pour bah, faire un micro raid. J'imagine qu'il y a, je ne sais pas du tout combien il y a de personnes qui sont actuellement sur sur le stream là. Mais voilà, si jamais vous voulez faire un petit raid et que vous avez une préférence, dites-le moi. Tac. Qui est en train de streamer du Go Tarnamja? Je vais venir avec tous mes potes, ils sont trois. Bouh, qu'est-ce qui se passe? Ah, Tarnamja, il est cool en plus. J'aime bien Tarnamja. Hop. Et ben on va se faire un petit raid. Raid Tarnamja. Allez, micro raid, c'est rigolo. Et bonne soirée. Ciao.